plutôt clair. On est sur un parfum assez fruité. Beaucoup de fraîcheur, très peu de tanin, vraiment léger. Un vin que j'accorderais plus avec la counoise, un cépage assez particulier que j'ai déjà eu l'occasion de goûter du côté de la Californie où là l'élevage était un peu plus présent. Du coup, les tanins plus présents, mais toujours cette fraîcheur. Pour moi, ouais, c'est. Il y a une bonne longueur en bouche. Un nez très ouvert. On est un peu plus terne, un peu plus fermé. Côté mentholé qui ressort. Pas forcément des notes que je retrouve facilement dans les assemblages. Je dirais qu'on est sur un cépage qui est peu courant forcément dans Châteauneuf en général même. Je partirais peut-être sur le Vacarès, le brun argenté. Léger également. Couleur bien prononcée. On garde quand même un côté bien fruité, un peu sur la framboise. Les parfums sont assez courts. On a surtout les tanins qui persistent derrière. Pour le cépage. J'irai peut-être sur du cinsault. Un nez un peu plus familier. Plus sur le cassis. Des tanins plus présents, légèrement épicés. Pour moi, le numéro 4, on est sur de la grenache. On n'a pas le côté trop racé de la Syrah, donc ni le côté très floral. Bien numéro 5. Là, on retrouve plus les arômes de lavande. Côté floral, donc qui ressort. Des tanins très marqués. On est sur un vin de patience et là, du coup, la Syrah colle un peu plus. Du coup, pour le verre numéro 1, j'étais sur la Counoise. Le verre numéro 2, j'étais sur le Vacarès. Le verre numéro 3, j'étais sur le Cinsault. Le 4, la Grenache et le 5, la Syrah. Merci. Merci. Dorian Toussaint. Oh. Dorian qui est sommelier à part à vin, la qui à Metz. Il est venu de bien loin. On le félicite. Dorian.
Alors, pour l'occasion, nous avons donc 6 bouteilles de Châtelain du Pape, un repas pour 2 personnes à l'hôtellerie des Fines Roches, et un repas pour 2 personnes au Verger des Papes, plus des ouvrages sur les lots. Décidément, pour ceux qui n'arrivent pas à dormir. Notre troisième candidat.